quelqu'un de blessé voulait à tout prix entrer dans cette pièce. Quelqu'un de blessé voulait à tout prix entrer dans cette pièce. Quel que soit l'usage de ce labo, ça n'a rien à voir avec la science ordinaire. Je ne crois pas que ces outils aient servi à de la chirurgie. Elle ne vous dira rien au sujet de Ktikonar ou de l'or. Elle ne vous parlera pas. Seule la graine peut savoir. On dirait qu'elle contient des cendres mélangées à du sel. Je veux pas savoir d'où ça vient. Vous aviez dit que nous serions riches, Hill. Interrogez-la sur l'or et pas sur ces foutus sceaux ou Ktikonmar ou... Imbécile, vous avez rompu les cercles qui la scellaient. Aidez-moi! Arrêtez ce monstre! Laissez-moi entrer! Il est temps de démêler tout ça. Vous aviez dit que nous serions riches, Hill. Interrogez-la sur l'or et pas sur ces foutus sceaux ou... Ktikonmar ou... Imbécile, vous avez rompu... Aidez-moi! Arrêtez ce monstre! Laissez-moi entrer! Joseph Hill et Raymond ont torturé Usha pour découvrir comment entrer dans Ktikonmar. Mais elle s'est libérée et les a attaqués. Hill a fui, laissant Raymond seul avec elle. Arrête! Elle a quelque chose à dire. Raymond? Je vous cherchais. Nous devons parler de la prêtresse Maya. Tu n'as pas à la blesser. Elle sait ce que tu veux, et elle a un marché à te proposer. Il y a peu, vous faisiez tout pour tuer Usha, et maintenant vous lui servez de messager? Et depuis quand on se tutoie? Elle a décidé d'utiliser ce corps pour ne pas t'effrayer.
À vrai dire, utiliser un homme comme marionnette reste macabre, Usha. De quel marché vouliez-vous parler? Élu, tu dois descendre dans les profondeurs, dans la coquille. Elle connaît le chemin. Je dois y entrer pour faire cesser la folie. Si vous me dites comment faire, je n'irai pas à votre poursuite. Quelle générosité! Elle a une autre proposition. Aide-la, et elle te dira comment faire face à ton destin. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Tue le sorcier Joseph. Il ne lui permet pas de reposer en paix. Il essaiera encore de faire d'elle son esclave. Vous auriez pu dire à Joseph ce qu'il voulait savoir. Qu'est-ce que ça aurait changé? Le sorcier ne mérite pas ce cadeau. Il est guidé par l'orgueil et la cupidité. Elle attendait l'apparition de l'élu du Kay. Et te voilà. Marqué, attaché par le destin. Elle le voit dans tes yeux grands fermés. Pourquoi devrais-je tuer Joseph? Et pourquoi dites-vous que c'est un sorcier? Il l'a réveillé, a pillé son corps et l'a forcé à respirer à nouveau. Il l'a tailladé, transpercé, brûlé, enchaîné. Vous souhaitez vous venger? Elle souhaite se libérer. Impossible tant que ce sorcier est en vie. Qu'allez-vous faire une fois que vous serez libre? Vivre. Si j'accepte, quel sera notre point de rendez-vous? Parmi les doigts de pierre, dans le jardin des morts. Vous ne pouvez pas être plus clair? J'ai déjà eu assez de devinettes pour le restant de mes jours. Elle ne pense pas que tu sois aussi faible d'esprit. Après tout ce que j'ai vu dans ce labo, je suis de votre côté. Elle t'attendra. Thank you.